Salut à tous. Donc voilà, on continue le scénario de Sion. Tac. Bon, j'ai décidé qu'on allait quand même faire la tour des braves avant de... avant de continuer... avec le scénario de Silent. Donc voilà, tour des braves, faut aller par là. On va faire les combats juste pour se prendre un peu d'XP. Hein. Donc ah oui, pour les essences de mots, hein, j'ai enchaîné les vidéos là, donc j'ai toujours pas commencé à voir les vos commentaires parce que j'ai toujours pas posté de vidéo à l'heure où j'enregistre. Alors, on a le quoi, le Sleipnir. Ah, c'est pas mal ça. Et on a un milliard d'armes. Putain. 64. Même ça, c'est mieux quoi. 48. Ça, c'est complètement trop bien ça. Ouais, bah comme d'hab on a pas assez d'argent. Hein. On va vendre ça. Ça on va le garder. On va essayer de lui acheter un... une arme comme ça. Putain il manque deux quoi. Il manque deux les gars. Parce que bon ça se fait attaque 51-64. Donc ça paraît mieux. Sauf qu'en fait, on a la différence, c'est ça, c'est que on peut équiper un bouclier avec. Ça fait quoi? Ouais, 33, ça n'a rien à voir quoi. Bah au pire, on va vendre un... Oh, je sais. On va vendre une plante. C'est vraiment la dèche, hein. Pour acheter ça. Alors on aura quand même plus 10 d'attaque et on peut équiper le bouclier donc. Même si le bouclier est pas terrible mais bon. Voilà, on va vendre ça. On va quand même aller voir ce qu'il y a comme armure. Comme les prix au début, c'est vraiment le foutage de gueule. Attends, mais regardez-moi ces prix. Et ce qui est chiant en fait, c'est que non seulement c'est cher, et en fait, si les combats donnaient beaucoup d'argent, on s'en foutrait, mais c'est même pas le cas. C'est super cher pour rien quoi. Parce que pour avoir assez d'argent dans les combats pour acheter les équipements, je vous jure, c'est un truc de malade. Après, c'est le début du jeu, c'est pour ça, mais les ennemis, ils donnent aucun... ils donnent aucun putain d'argent, quoi, c'est un truc de fou. Limite, si on essaie d'avoir de l'argent, en faisant les combats, on va plus augmenter nos stats avec l'XP qu'avoir assez d'argent pour acheter les équipements, quoi. Alors, des fois, on trouve des femmes comme ça, là. Voilà, et on peut apprendre directement des trucs. On les trouve souvent dans les villes, dans les auberges, les bars. Alors, je fouille un peu la ville hein, avant d'aller à la tour des braves. Faudrait que je fasse vite parce que ce jour est assez long. Que vu que je sais pas où c'est, j'aurais dû préparer la vidéo. Chose que je ne fais jamais. Alors que je devrais. Ah voilà. Donc
crasseux, hein, c'est un équipement. Regardez, c'est des bottes. Donc lui, il a déjà ça. On se fait quoi de la vitesse? On reste plus pour elle, du coup. Voilà, normalement, il n'y a pas grand chose de très utile à part ça. Ouais, on va foncer à la tour des braves. Alors pour info, on est dans la ville de Danelf là. Tour des braves. On sert à rien en pleine vidéo. Vous verrez qu'elle se fait en plusieurs fois hein, le tour des braves. Là pour un souci de rapidité on va faire ça et puis c'est plus facile aussi parce qu'en 3 contre 3 on peut mettre un mec qui soigne, un mec qui attaque, etc. Ah, donc faut d'abord abattre les plus faibles. Ça me tape dedans. On va faire ça avec lui. Vous voyez qu'ils font assez mal quand même. Putain, ça leur fait rien. Il est doux. Heureusement que j'ai le bouclier. Ouais, donc n'hésitez pas à farmer un peu pour avoir plus d'argent que moi. Et surtout, apprenez des meilleures magies parce que c'est de la merde ce que j'ai. À partir de là, ça devrait être plus simple. Sauf si je crève avant. Waouh. Ça fait mal là. Alors je sais pas s'il va nous faire une grosse attaque là. On va prendre une plante, on va la foutre sur action. Ah bah au pire attendez. Je suis un peu con des fois. On va dû faire ça plus tôt. Avec la défense, ça sert pas à rien. Voilà, donc j'ai bien fait d'acheter cette arme. Hein.
Ouais, donc ça c'était la phase 1. Il y aura d'autres combats, mais c'est pas tout de suite en fait, c'est pas tout à la suite. Et là vous voyez qu'au moment où on fait ça, on entend une petite musique qui nous est familière. Voilà, ça c'est suite à la purification de Risa en fait. Pour ça que j'ai fait le sein de Risa en premier en fait. Pour qu'on comprenne hein, ce qui se passe. Pour ça que vaut mieux pas faire les scénarios un par un, mais un peu les trois, un peu de chaque. Donc faut aller voir Rosa, Zora pardon, comme la race dans Zelda, hein. Mais il ne ressemble pas du tout à un Zora. D'ailleurs les ceux qu'on vient de combattre ressemblent plus à des Zora que lui. Allez hop, donc là on va aller le voir. Ah, vous voyez le jeu est beaucoup plus éclairé, je trouve ça beaucoup plus joli d'ailleurs. C'est vraiment sympa ce truc de purification de l'air. Je vais peut-être regarder si je peux pas acheter des armures. J'ai 600 PO. Putain, je peux rien équiper, les gars. C'est vraiment abusé. Ah, ça, c'est pas mal. Parce que ça coûte pas très cher et je crois que j'ai pas de casque. Voilà, donc dans tous les cas, ça sera utile. Ah, c'est vraiment petit à petit. C'est vraiment abusé, putain. Bon, bah, du coup, on va aller voir Zora. Voilà, c'est par là. Donc c'est la nuit, hein, entre le deuxième et le troisième jour du coup. Donc un nouveau donjon. Ouais là par exemple il m'a lancé un sort, mais celui-là je peux le copier. Vous voyez qu'il enflamme d'ailleurs. Ça donne pas mal d'XP dis donc. Là, le jeu va vraiment très vite, on enchaîne vite hein. Alors là, il y a les frères de Sonic. Ils font mal ces bâtards. Par contre, eux, ils donnent plus d'argent déjà. Pour l'instant, je fais tous les combats, hein, ça donne beaucoup trop d'argent pour pas les faire. Attends, me dis pas que j'ai oublié de me soigner. Oh le con. Sac rouge, c'est quoi ça? Ah, il y a un sac rouge, ok. Si, j'ai oublié de me soigner. Oh là là, je suis un bouffon. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave ici. Heureusement que Thur a beaucoup de points de magie. Non,
je pense pas qu'on dit tur, hein. Moi je dis tur, mais si on prononce à la japonaise, ce serait plus toulé. Mais bon, je trouve ça bizarre comme nom. Donc je dis tur. Même si c'est moche. Ah lui ça l'a pas enflammé. Après il résiste au feu donc. Et ça c'est une attaque de glace par exemple qu'on aurait pu copier également. Ouais Sion il résiste au feu parce qu'il avait l'anneau là qu'on a récupéré dans la tour des géants. La tour des géants c'est ouais, en bas hein. À pas confondre avec la tour des braves parce que j'avais dit n'importe quoi au début. Une fois, c'est là qu'on voit que j'ai bien fait de recommencer le jeu parce que j'étais vraiment paumé. Hein. Moi j'aurais continué le jeu là où j'avais commencé il y a 9 ans, mais putain, les gars, j'aurais dit n'importe quoi, j'aurais été paumé. Il aime bien nous faire faire des allers-retours, ce salopard. Avec son, il rigole plus, hein. Je dis le frère de Sonic et il fait vraiment comme Sonic, quoi. Enfin, sauf qu'il fait du sur place, hein, c'est un concept. Allez, on va aller. On est bientôt à la fin, je pense. Merde. L'autre est presque mort. Sac rouge, ouais, c'est un sac de sort, je pense que ça fait des dégâts. Sac de sort primaire. Si tu le dis. Voilà. Il est pas du tout taré. Regardez, c'est pas d'autres trucs. Sérieux? Et ça commence à être assez bizarre, hein. Vous avez rien vu parce que dans le jeu il se passe des trucs vraiment de fou. Voilà. Voilà voilà, donc on est venu pour ça, hein, pour qu'elle nous dise ça. C'est pas très utile. On va faire demi-tour. Normalement la vidéo devrait être finie après. Je vais peut-être faire un peu d'XP et m'équiper. Pas dans la vidéo, hein, hors vidéo. Parce que là c'est un petit peu abusé, comment je sers à rien. Puis ça permettrait aussi de...
Comment? On est à combien là d'ailleurs? 700 PO, ouais, putain, ça avance pas vite. Hein. Ouais, ça permettra aussi de. Putain, j'ai oublié ce coffre. Ah, mais non, je suis con, c'est le coffre avec le bouton. Ça me permettra, ouais, de faire les combats plus rapidement et que les vidéos durent moins longtemps. Enfin, les combats durent moins longtemps dans les vidéos. Si j'arrive à bien m'équiper. Mais bon, déjà là, on a un petit peu d'argent. On a presque assez pour acheter un objet, quoi. Sans n'importe quoi, ce jeu, putain. Ils abusent tellement sur l'argent. Incroyable, quoi. Voilà, sinon là je vais bientôt mettre la première vidéo en ligne, je pense. Donc du coup, normalement la prochaine vidéo, vous verrez vos essences de mots que vous aviez proposé avant. Si vous l'avez fait, hein. Parce que ça se trouve, personne ne regarde ces putains de vidéos. C'est la sixième que je fais et personne ne regarde. J'en sais rien, hein, mais on verra. Il m'a gelé l'enfoiré. Ah bah merci. Il a fait un sort de feu sur un mec gelé, quoi. On va faire un truc quand même, on va se soigner, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît être une bonne idée. Putain, le nombre de points de magie qu'il a, c'est un truc de fou. Voilà, et on reprend la barque dans l'autre sens. Et le jour se lève. Je suis pas sûr en fait de faire de l'XP parce que finalement l'XP et l'or c'était bien dans la montagne, mais là dehors y a pas grand chose. Voilà, donc on va aller se soigner et sauvegarder à l'auberge. Où elle est? Auberge. Par là. Elle est où l'auberge? Voilà. Ah non, mais c'est pas l'auberge, c'est le bar. Ah voilà. Salaud, ça coûte cher. Voilà, on va sauvegarder et puis je vous dis à la prochaine pour le scénario de Salent. Voilà, jour 2 terminé action. À la prochaine pour le vidéo, ouais, pour le scénario de Salent. Et puis après, bah, peut-être qu'on on va faire un peu de Salent, puis on va reprendre avec Risa. Après, je suis pas sûr de faire toujours le même ordre, Risa, Sion, Salent, hein, mais on verra. Ce sera au feeling. Je vais essayer d'avancer à peu près en même temps les trois, qu'on voit vraiment ce qui se passe. Parce que des fois, il y a des choses d'un scénario qui ont une incidence sur l'autre. Donc si on avance trop dans un scénario et pas dans les autres, c'est un peu le bordel pour comprendre ce qui se passe. Donc ouais, on va essayer de faire un peu de choc. Et puis je vous dis du coup à la prochaine pour le scénario de Silent. Salut.